actuelle, il faut éliminer tout risque terroriste. Donc, quand les forces de l'ordre arrivent sur ce genre, donc là, en l'occurrence, à la gare, eh bien, ils vont éliminer tout risque explosif. Ils sont en train de regarder dans tout le périmètre de la gare s'il n'y avait pas une valise piégée. Ça, on l'a vu notamment en gare de Bruxelles il y a quelques semaines. Et puis ensuite, ils vont évidemment aller plus loin sur, comme je le disais, sur le profil de l'assaillant, voir s'il n'avait pas des complices, de gens qui imagineraient commettre une nouvelle attaque au même endroit, aux alentours de la gare. Ça, c'est évidemment ce qui est très redouté par les forces de l'ordre. Dès qu'il y a une attaque, on essaye de s'assurer qu'il n'y a pas de complices et donc qu'il n'y a pas de nouveaux risques.